Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle Child of Light. Et croyez-moi, il est trop bien. Mais genre, le trop bien du trop bien, c'est ça en fait. Bon, je vous explique. Child of Light est un RPG et c'est très poétique, c'est très très beau. C'est tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment McDonald's. Et franchement, ben, c'est l'éclate, quoi. Je dis un grand merci à celui qui m'a offert le jeu, il se reconnaîtra. Et franchement, c'est juste. Oh, le meilleur, un des meilleurs jeux au monde, quoi. C'est un RPG très beau, très, très complet. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Donc, boss. Je pense que c'est un boss. Et je pense que je vais en prendre plein la gueule. Bon, ben c'est bien, je vais pouvoir parler pendant que je fais un boss. Cool. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un RPG. Et comme tout but de RPG, ben on a une barre d'action avec. Lui, c'est un mage en fait. J'ai plusieurs personnages qui ont des caractéristiques à eux, j'ai envie de dire. Bon, c'est un truc qui vole, donc j'imagine qu'il craint ça. Et on va lui faire un tir de flèche. Voilà. Alors, petite explication. Comment les combats se déroulent? Oh merde. C'est pas compliqué. En fait, vous avez une barre en bas où il faut, pour tes personnages du haut, attendre. Ok, ils craignent pas du tout l'électricité. Il faut attendre leur tour. Puis, quand on arrive sur le petit trait rouge, on choisit l'action qu'on va faire. Et enfin, l'exécution se termine ici. Donc voilà, ça c'est l'explication de comment se déroule un tour. Voilà, là par exemple, je dois choisir. Ensuite, si on tape un ennemi pendant sa phase d'exécution, ou si un ennemi nous tape pendant notre phase d'exécution, notre attaque est contrée et on recule dans la barre. C'est très chiant. Et ça peut devenir vite handicapant. Par exemple, là, je viens de me faire interrompre. Il y a des choses pour éviter d'être interrompu, mais je vous le dis, hein, je les utilise pas. Je sais, c'est pas bien. Oh bon, bah ok, j'ai déjà un personnage mort. Mais en fait, j'ai fait un con parce que ce personnage, ce gros boss là, il faut pas le contrer en fait. Faut pas le contrer et c'est très relou. En fait, ce qui est relou, c'est plus les trucs qui accompagnent le boss en fait. Waouh! Un coup critique là-dessus, putain! Alors, Aurora, c'est la. Celle que j'ai. Viens de mettre. Aurora, c'est l'héroïne de ce jeu, en fait, tout simplement. Et elle est vraiment. Comment dire? Un petit peu cassée. Parce qu'en fait, vous pouvez récolter des items genre PV+, des trucs comme ça. Et Aurora, ben. Elle aime bien ces choses-là. Bref. Sinon, on a pas mal de personnages. Je vous les montrerai après. Oh putain, j'ai tué déjà un truc, donc. Non, mais t'es sérieux là? Bon, si le boss. Oh. Je vais mourir. Je suis en train de soigner mon héroïne avec ma souris, oui. Il faut que je collecte des. Là-haut, vous voyez, j'ai plus d'énergie. Mais si j'ai de l'énergie, je peux cliquer sur un de mes personnages pour le soigner. Ce qui est plutôt pratique. Mais bon. Oh non! Interruption contrée. Allez. Tous mes personnages sont ralentis. Super. Et le fait d'être ralenti, ben, ça rend. Bon, je vais perdre. Je vais perdre parce que le griffon va attaquer ma souris là et. Ah non, il fait un renforcement. Et je vais pouvoir changer de personnage là. On va prendre le golem. Donc je pense que le but de ce boss en fait c'est de buter le gros. Et après de buter les deux saloperies d'ombre là. Elles sont vraiment chiantes. Bon, s'il meurt, c'est pas grave parce que de toute façon c'était un poids plus qu'autre chose. Hein. Enfin, mais il fait trop mal. Et mon golem il est pas assez fort. Et il re-attaque en fait. C'est ça qui est. En fait, ils sont très rapides. Ils ont une vitesse. Ils ont une rapidité assez certaine et je suis en train de ramasser quoi. Ah bon.
J'ai plein de personnages. Genre plein. J'ai la souris qui est morte, Nora, Finn qui est mort, Rubella, Aurora, Tristis. J'ai plein plein de personnages. Mais c'est comme dans tous les RPG, ils voulaient débloquer petit à petit. Avec leur niveau à eux et tout ça. Donc c'est un peu chiant. Nous allons faire une accalmie sur eux parce que j'en ai plein le dos. Ah, voilà. Non, ils vont mettre 3 jours avant de jouer. Ah, elle esquive bien, dis donc. Waouh, elle a tout esquivé. Elle est balèze, en fait. Elle... Je devrais la jouer plus souvent. Et on va accélérer tous nos personnages. Et lui, il va déjà se régène. Voilà. Et nous, on s'accélère pour pouvoir taper plus vite. Oh, j'ai plein le dos. Bon, eux, ils sont un peu dans la mouise pour l'instant, donc on va prendre Rubella qui tape très fort. Et on va frapper le boss. Hein. Ok, je viens de me faire interrompre, hein, tout va bien. On va essayer de pétrifier. Il y a certains personnages dont les attaques essaient de peut paralyser les gens, et ça, ça rend très bien. Ah, impec. Comme ça, moi, le boss joue pas. Non, je viens de me faire interrompre. C'est un peu... J'ai envie de dire c'est random quand même l'interruption. Ah, du pouvoir de la souris. C'est dommage. C'est dommage que ce soit si random en fait. Enfin, je sais pas si c'est vraiment random mais... On refait une pétrie. On refait une frappe. De toute façon il faut que je bute le boss là donc... Je comprends pas trop comment le buter, mais c'est pas grave. Donc c'est un RPG avec des quêtes, évidemment. Plus ou moins suggérées. Il y a des quêtes, par exemple, c'est trouver d'autres personnages. Mais vous le voyez qu'après. Ok, ils ont retrouvé leur vitesse d'attaque. Enfoiré! Il fait trop mal! Je vais une soin. Si je me fais interrompre mon soin, par contre, je pleure. Ok, tout va bien. On va refaire une accalmie. Par contre, les PP ne se regagnent pas si facilement que ça, en fait. Ceux d'Aurora peuvent être gagnés dans le... sur la carte, on va dire. Mais les autres, malheureusement, non. Ah, oh, le boss est bientôt mort, il a l'air fatigué. Ah, je peux peut-être gagner, en fait. Faut que, en fait, ce mob-là ne me tape pas... elle. Voilà, tout simplement. Mais il me reste un ou deux persos. Rubella peut se soigner. Faut que je tente la calmie. Ah, ça l'a pris. Bon, heureusement que Rubella est là. Résurrection. Mais c'est un RPG des plus classiques, j'ai envie de dire. Sauf que les dessins sont un peu particuliers. Ils sont même très jolis, je trouve. Soigne-toi, s'il te plaît, fais un contre-soin. Oh, putain de merde. Je pense que je suis dans la cacade, comme on me dit. On va tenter l'accélération. Oh là là. Oui, un renforcement, super. Donc ça veut dire que mon personnage là va pouvoir jouer très vite. J'espère qu'elle va pas mourir entre-temps. On va faire une... Ah merde, je peux pas faire de résurrection. On va changer le membre du groupe. Il me reste qui? Il me reste Tristis. Et c'est tout. C'est près du but. Va falloir le frapper. J'espère que... Voilà, c'est toi qui prends. Hein, vaut mieux. Go Tristis. Mais le boss, il veut pas mourir. Et le pire, c'est qu'après le boss, il y a ces deux saloperies, en fait. La pétrification, vas-y. Non! Faut pas qu'il esquive! Bon, au pire, si on perd, c'est pas un drame, croyez-moi. On ressuscite juste derrière. C'est pas... Y a pas trop de... Comment ça s'appelle? Ce qui est un peu bête, c'est qu'il n'y a pas de malus à mourir. Cool! Bon, maintenant, on va faire quoi? Ah, le pire, c'est qu'elle craint la magie et j'ai aucun personnage magique, là. Est-ce qu'il a un soin, lui? Non, il a rien. Pff, on va faire une armure suprême, mais...
J'ai envie de ressusciter un monsieur en fait. Nectar des fées. Non, c'est. Je veux une résurrection. Ah, faut le faire sur le. Donc en fait, je vais changer de place avec Rubella. Ici. J'espère que le monsieur ne va pas mourir. Il est pas mort. On va utiliser de suite la résurrection sur Rubé. Voilà. Je suis obligé d'utiliser les items. Généralement dans les RPG, je déteste. Mais alors, je déteste utiliser les items. C'est genre, je ne supporte pas ça. Ok, donc on met maintenant Aurora, vu que c'est une des seules à avoir des attaques de lumière. Ouais, elle esquive. Ensuite, on la ressuscite via notre magie à nous. Voilà. Et maintenant, on va buter ces saloperies. Donc, il y en a une déjà qui va mourir vu qu'elle a été ressuscitée. Ouch. 54. Ok. Donc, elle va se soin. On va prendre ça. Et elle va faire un rayon lumineux sur celle-là. Voilà, on soigne Aurora. Je pense que je vais le passer le niveau en fait. Là, c'est bien, ça vous aura fait un petit boss tranquille. Ah putain, elle est pas morte quoi. Vite, faut que je reprenne du pouvoir de ça. Ben, on va frapper parce que c'est tout ce qu'on peut faire avec Rubella. Cool! Elle est morte, il lui restait 11 points de vie. Waouh! Le rayon lumineux, parce que c'est une très grosse attaque de lumière. Et comme elle craigne la lumière. Ça va aller un peu plus vite. Ben, je vais changer de personnage. Je vais mettre Nora. Même si elle a que 20 PV. Parce que je lui ai mis une gemme comme quoi ses attaques font des dégâts de lumière. Ah, oh, cool. En plus, j'ai paralysé. C'est pas beau, ça. Allez. La lumière. J'espère qu'elle va mourir. Ah, toujours pas. Bientôt, je pense. Ah, ça aurait été bien de la contrer. Tant pis, Nora est morte. C'est pas grave, parce que de toute façon, je pense que tout le monde va prendre le niveau là. Oh non, j'ai plus de PM! J'espère que ça passe avec ça. Yes! J'ai réussi! Ok, elle a ressuscité, je sais pas pourquoi. Bon. Allez, oui. Il y en a, ils prennent beaucoup de niveaux. Voilà, je vais pas vous. Cool! D'accord, vers le temple de la lune. Bon, ben d'accord. Non, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer très vite? Il y a des arbres de compétences pour tous les personnages avec des cases bloquées, je sais pas pourquoi. Les oculis sont des pierres que l'on peut mettre sur l'arme, l'armure et en tant qu'accessoire. Et nous pouvons fabriquer des oculis pour les rendre plus forts. Par exemple, si je mets trois bleus ensemble et que je fabrique, je me trouve avec un oculi comme ça. Je pensais pas faire le boss en fait, je suis désolé. Il y a plein de combinaisons. Par exemple, si vous faites un bleu et un rouge, vous avez un violet. Si vous faites un bleu, rouge et vert, vous avez un blanc. Les jaunes, je ne sais pas trop comment les faire, vu que c'est quand même une couleur primaire. Vous pouvez donc mettre des oculis sur tous vos personnages. Pour bon, je l'ai pas fait parce qu'il y en a que j'utilise plus que d'autres. Hein, c'est pour ça. Je me suis, on va dire, habitué à certains personnages. Vous avez l'inventaire avec toutes les fioles que j'ai pu utiliser en combat. Les rendus de quêtes et les quêtes en ce moment. Les items, comme je vous ai dit, par exemple les poutres de défense qui augmentent les de manière permanente. Oui. De tout le temps. Oui. Permanente, oui. Pas temporaire, voilà. De manière permanente les stats des gens, et évidemment ben, vous allez tout mettre sur Aurora vu que c'est la héroïne du jeu. Vous avez la carte du jeu qui est pas mal avec le nombre de poutres d'étoiles que vous avez ramassé, les coffres par zone, je pense que c'est par zone vu que là il m'en manque beaucoup, il me manque que trois coffres, enfin j'irai chercher tout ça parce que vous savez très bien que j'aime finir les jeux à 100%. Vous avez des confessions, c'est des textes que vous pouvez lire. Petite particularité du jeu, tous les dialogues, mais alors tous les dialogues sont en rime. Et ça, franchement, Ubisoft, ils ont géré. Parce que ça donne une dimension très poétique au jeu. Déjà que les graphismes aident
Et que l'histoire aide aussi, que le gameplay aide. C'est vraiment un jeu très très poétique. Et franchement, ce jeu, je vous le conseille à 100% si vous kiffez les RPG. Ou même si vous voulez vous détendre. Vous pouvez jouer quand vous voulez. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Franchement, pour moi, c'est pas le jeu de l'année parce qu'il est sorti il y a quand même un sacré moment. Mais c'est vraiment un truc. Vous devez vraiment pas passer à côté. Sur ce, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, hein, que de... Je sais plus trop comment m'exprimer, tellement j'aime ça. J'espère que vous aimez les RPG, j'espère que vous aimez la poésie, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et je vous aime tous, je vous fais de gros bisous, et vraiment, jouez à Shade of Light. Allez, de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.